Tuto 12, comment peindre un aigle de géant The Hobbit. Donc, c'est les aigles qu'on a achetés une petite vente par deux au prix de 40 euros. On vous les avait présentés dans notre unboxing de Noël, on les a eu à Noël. Et donc, mon cousin en a eu deux plus Goïr, moi j'en ai eu deux. Et c'est moi qui va vous faire le tutoriel avec ma méthode, car mon cousin vous présentera son Goïr. Et donc, vu qu'il a fait la même méthode avec Goyer et ses aigles, c'était con de faire un tuto pour les aigles et présenter Goyer avec la même méthode. Donc, du coup, vous aurez deux méthodes avec ce tuto et la présentation de Goyer que mon cousin vous fera. Donc, j'ai mis du papier alu autour de la petite tige, simplement pour pas mettre de peinture autour, parce que c'est un petit peu moche s'il y a la peinture. Donc, vous voyez que j'ai bien emballé la tige de papier. Et après, je l'enlèverai, hein. J'ai fait ça pour mon premier règle, c'est parti tout seul. Donc, pour la première étape, on va appliquer une couche de Rhinoxide. Donc, hop, Rhinoxide, vous devez connaître, je pense, sur toutes les petites plumes. Donc, la première, c'est cette partie-là, pas les grandes plumes arrière, ces deux parties de plumes, ainsi que le corps, une partie de la queue, les pattes, en fait, tout le corps. Toutes les plumes qui se situent sur le corps, ainsi que cette première rangée de plumes. Donc, si c'est pas très clair, là je vais peindre et après je vous montrerai exactement tout ce qu'il faut peindre en Inoxide. Pour cette deuxième étape, on va peindre les serres de l'aigle en Jocaero orange, un orange assez clair. Donc, les serres, pas la partie chair des serres, pas les griffes. Donc, voilà, je vais le peindre et après ça rendra peut-être mieux une fois que vous aurez le visuel. J'ai peint la partie chair des pattes alors en Jocaero orange et j'en ai profité pour vous faire les petites griffes en Mechanicus Standard Grey. Et après, on viendra mettre des lavis, éclaircir et ce sera déjà mieux. Donc voilà ce que ça donne. J'ai essayé de faire une petite mise au point, donc là ça a un peu bougé le temps que je la fasse. Voilà, pour l'instant c'est un rendu très basique, hein, il y a une seule couche de base. Ensuite, on va faire la tête. Alors, je vais vous tourner ça. Toute la partie tête, peau, mais pas les yeux ni le bec. On va faire ça. Alors, moi, je fais en cette couleur-ci. Non. Oui, voilà. Style. Donc, Légion d'Arabe. Donc, là, vous voyez pas bien. Quand c'est comme ça, vous voyez pas bien l'écriture. Donc, style Légion d'Arabe. Voilà. Hein. Après, c'est pas forcément bien délimité sur la tête. Où est-ce que vous vous arrêtez? Vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Hein. Donc toute la partie tête, mais pas le bec ni les yeux. Vous avez pu voir que j'ai fait la tête en style Légion d'Arabe. J'ai aussi fait les yeux et la langue. Donc là, vous voyez, c'est assez flou. Je faisais toute une petite mise au point. C'est un petit peu mieux. Désolé, la qualité n'est pas top. C'est un peu galère de tenir la caméra et de vous montrer. Donc j'ai fait ça en Mephiston Red. Et j'ai aussi fait le bec. En ISO 88, vous devez voir que c'est un petit peu plus clair. Donc les grandes plumes noires, je ne les ai pas encore traitées pour l'instant. Ce sera que du brossage à sec, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. On va maintenant passer au lavis. Les parties rouges, lavis, donc le rouge Kerber Crimson. Les petites griffes, Nun Oil. Et ensuite les parties marron, donc ça, les grandes plumes ou la tête et le bec. Vous pouvez faire Agrate sur Shot ou Seraphim Sepia. Bon, mon premier règle, ça fait longtemps que je l'ai fait. Donc je vais essayer de voir quel lavis je vais utiliser, mais je pense que les deux, au final, ça n'impactera pas vraiment le rendu final. Donc je vais passer ces lavis, on se retrouvera donc juste après. Excusez-moi aussi, je pense que si vous avez entendu pas mal de bruit, il y a des travaux pourtant chez moi. Alors maintenant, on va s'occuper des grandes plumes noires qui se trouvent ici, un petit peu sur la queue et en dessous de ces... et donc de l'autre côté. Donc on va faire un brossage successif, donc avec des pinceaux... Prendre des pinceaux assez gros, hein, je sais pas, de ce type-là, des brosses pas trop gros non plus, ou alors ce Game Workshop, comme vous voulez. Donc on va partir du Mechanicus Standard Grey. Je sais pas si vous voyez bien l'écriture. Ensuite, on va faire. Alors moi, on va faire Storm Vermin Fur. Donc j'ai mis un élastique car le bouchon ne tient plus. Et on va finir par Dawnstone. Et je vais voir selon le rendu si jamais je fais un peu de Dawnstone plus blanc. Mais normalement, ça devrait être bien comme ça. Ça va donner un effet vachement cool. Ça va faire vraiment des plumes grises. Donc, c'est 3 dégradés en brossage à sec.
Donc je fais ça, je vous retrouve après. Je vous fais un petit point, un petit zoom donc sur les plumes. À la fin de cette vidéo, je vais essayer de trouver un stratagème comme sur certaines chaînes peintures pour mettre juste petite ellipse. Donc je vais essayer de mettre mon angle sur un système pour qu'il tourne et je mettrai ma caméra comme ça pour que vous voyez l'aigle vraiment sous tous ses angles à la fin. Donc là je vous montre plus en détail les plumes du dessous. Voilà un peu plus à la lumière, donc moi je trouve ça très bien. C'est très facile, hein, avec des brossages à sec. Donc ensuite on va s'occuper donc des grandes plumes brunes. Donc pour ce faire, on va aussi procéder à un brossage à sec. Donc je vais faire comme j'avais fait pour mon premier aigle, même si j'ai acheté une autre couleur, je pense qu'elle va pas convenir pour ça. Donc mon premier brossage, si je me souviens bien, je l'ai fait, donc je vais sortir mes autres peintures pour pas que ça me trouble, en style Légion Drame, un autre en XV88, et le dernier, j'ai dû le faire en Zandry Dust. Malheureusement, je sais pas trop où est-ce qu'il est, attendez, je le cherche. Donc Zandry Dust, honnêtement, ça rend pas mal. J'ai vu sur certains forums, où... voilà, et c'est, voilà, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Zandry Dust, voilà, donc on peint ça, puis ça, puis ça, sur toutes les plumes brunes. On fera à peu près le même schéma sur la tête, sauf que, mais je vous en parlerai après, avec quelques petites différences. Donc voilà, c'est trois brossages secs sur les grandes plumes brunes. Au fur et à mesure que vous mettez des couleurs plus claires, essayez de faire en sorte que votre brossage soit aussi un petit peu moins appuyé. Donc on se retrouve juste après. Donc maintenant qu'on a ce résultat sur les plumes brunes, donc, je vais vous montrer. Voilà, je trouve ça vraiment très très classe personnellement. Et c'est pas exactement le même rendu que j'avais obtenu sur mon premier règle. Peut-être parce que j'ai mis un peu plus de la vie sur celui-là. Du coup après ça a foncé bien le marron et ça a fait des dégradés un peu différents. Maintenant sur la tête, on va faire exactement le même procédé. Mais donc la tête qui était en style légendrable, excusez-moi, on va lui amener deux éclaircies. Donc XV88 et Zandry Dust. Le bec qui était en XV88. Voilà le bec que vous voyez là. Uniquement en Zandry Dust. Et sur le bout du bec, un brossage pas tellement à sec pour que ce soit quand même assez. Faut quand même que ça se voit. En Rhinoxide, parce que je mets ça sur la voix, je trouvais ça original. Après, j'ai un peu modifié ma façon. Donc, voilà. Donc, sur la tête, XV et Zandry Dust. Sur le bec, Zandry Dust. Et sur le bout, un petit peu Rhinoxide. Donc, je vous montre un peu les plumes. Je trouve ça vraiment classe. Personnellement, moi, j'aime beaucoup. C'est des méthodes simples et rapides pour obtenir un joli rendu. Donc, j'ai éclairci, alors ce que je vous avais dit, le bec, tout ça, j'en ai profité pour faire, c'est assez léger, hein. Là, avec la qualité de ma caméra et l'éclairage, vu qu'il n'y a plus beaucoup de soleil dehors, il fait pas très beau, j'ai éclairci les yeux et la langue en Evilson Scarlet. Donc, on arrive presque à la fin de la figurine, il reste juste à éclaircir les cernes, que ce soit la partie peau ou les griffes. Donc, j'essaie de me stabiliser un peu, ça va pas être super pour vous vu que j'ai que de bouger. Donc les griffes, vu que c'est du gris, on va faire comme pour les grandes plumes. Mais vu qu'on a commencé par Mechanical Standard Grey, alors on va faire un éclairci au Storm and Minfur. Alors voilà, sur mon petit élastique, hein, le bouchon ne tient pas bien. Et le deuxième au Stone. Voilà, je sais pas trop si je le ferai en brossage à sec ou pas, hein. On verra bien. Ça dépend. Et quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, comme ça je vous montre un peu aussi les parties rouges que j'ai faites. Et donc après les parties serres, je vais faire ça en Troll Slayer Orange. Alors il faut juste que je retrouve ma peinture en Troll Slayer Orange, même si on peut se dire que la, même si c'est pas exactement le même teint que, voilà, excusez-moi, ça a dû bouger pendant que je fais la peinture. Troll Slayer Orange. Même si c'est pas exactement le même teint, peut-être que Joker Orange, enfin si, quoi que c'est un peu près pareil. Le tranche de l'orange est un peu plus orangé. Excusez-moi, ça, je bouge un peu. Donc voilà, j'éclaircis la partie peau nécessaire avec cette couleur. Et après, je vais l'éclaircir un petit peu plus. Je vais le faire avec tranche de l'orange et un peu de blanc. Donc je fais les serres.
soit les griffes ou la peau, et je vous retrouve après. Voilà, la figurine est terminée niveau peinture. J'ai fait les cerces et les griffes. Donc là, je vous montre le résultat. On a une figurine très belle. C'est très simple. Le procédé est très simple. Excusez-moi pour le doigt. Donc maintenant, on va passer au socle. Donc, moi, j'ai pas fait des socles rocailleux en représentant les aigles dans leurs aires, dans les montagnes, mais plutôt, j'imagine que là, celui-ci, il saisit une proie ou un ennemi. Donc il vient sur la plaine. Donc du coup, j'ai fait mes socles comme mes autres figurines en fait. Donc la colle PVA avec du sable partout. Excusez-moi, j'attends bien que ça sèche. Une couche de Montfand Brown. Quand le Montfand Brown est sec, je fais un brossage à sec du Chaptibone. Donc en fait, comme mes nains. Hein. Donc, excusez-moi, Chaptibone que voici. Et après pour ça, j'ai un petit bone, je mets de l'herbe. Donc là, vu que le socle est plus grand, je mets un peu plus. Et je varie un peu les variétés. Là, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc je vais faire le socle. On se retrouvera pour la fin de vidéo. Je vous montrerai mes deux aigles. Et voilà, l'aigle est maintenant terminé. J'ai fait le socle. Donc je l'ai posé sur le rocher de ma table. Et j'ai laissé mes autres figurines. Là, je vais vous faire un plan détaillé avec une mise au point de toute la figurine. Donc là, je vous montre les plumes. Ensuite, je vais vous montrer la tête. Voilà. Cette partie-là du dessous du corps. Là, vous voyez, là, c'est le dessous du socle. En fait, vu que c'est transparent, c'est un petit peu dégueu. Regardez pas dessous. Là, ce côté de la tête, avec cet œil que je trouve qui est vachement, vachement vif, vachement réussi. Encore plus que l'autre. Je vais le reposer, je vais faire différentes vues. Donc voilà, excusez-moi, c'est peut-être un peu tremblé. C'était une petite vidéo pour vous montrer un rendu, comment peindre des aigles, avec un peu le même schéma que sur la boîte. Peut-être pas le plus fidèle au film, à ce que a décrit Tolkien, je sais pas. Moi j'aime bien la couleur de la boîte. C'est très simple, hein. J'ai essayé que ça soit accessible pour tout le monde. Donc, dans la présentation de figurine de Goyer, donc ça vous montrera les méthodes qu'il a choisies pour ses aigles et Goyer. Donc, c'est un petit peu la même, mais ça diffère. Enfin, c'est pas exactement les mêmes teintes, surtout pour les plumes. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais rapidement vous montrer mon deuxième aigle. Voilà, que j'ai... Donc là, attendez 2 secondes. Que j'ai... Il est peut-être... un peu plus clair au niveau du plumage, mais il y a un peu moins de contraste. Donc là, vous voyez un peu moins en plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On remercie la communauté qui nous soutient, même si elle n'est pas immense. Il y en a qui sont présents et fidèles, et qui nous mettent des petits messages qui nous poussent à continuer. On espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous abonnerez si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit merci à vous tous. Et à la prochaine.